Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de faire danser un personnage avec une bombe Boogie Woogie. Alors les bombes Boogie Woogie, c'est celle-ci, voilà c'est ça, et vous allez pouvoir les trouver un peu partout sur Fortnite posées au sol comme ça, sur Fortnite, ou alors vous allez pouvoir en trouver dans des coffres. Alors là j'ai une petite astuce pour vous, si maintenant vous avez de la difficulté à en trouver, vous allez tout simplement vous équiper d'un chasse-pierre. Ensuite, de placer le chasse-pierre sur un véhicule. Et là, regardez, vous allez détruire la base d'un bâtiment. Donc, prenez la base d'un bâtiment assez grand en hauteur. Ensuite, vous détruisez la base. Et vous allez voir que ça va faire tomber tous les objets qui sont à l'intérieur. Donc, voilà. Regardez. Et là, ben, vous avez la possibilité de trouver une bombe Boogie Woogie. Donc, si vraiment, là, vous n'en avez pas encore... Ah, vous... Oh, regardez, il y a un corne de glace. MDR. Ça c'est nouveau ça. Donc si vraiment vous en trouvez pas, et bien vous cassez un autre bâtiment. Voilà comme je suis en train de faire. Et voilà, comme ça vous n'êtes pas obligé de loot les emplacements de tous les coffres. Si vous êtes si vous galérez d'en trouver, voilà, c'est la meilleure solution, c'est de casser la base d'un bâtiment. Donc l'escalier ne voulait pas se casser, on va le casser à la main. Ok bon. Le bâtiment ne veut pas se détruire. Mais bon, vous avez capté le délire. Peut-être ça à cause des toiles d'araignée qui le tiennent, je sais pas. Mais bon, normalement, quand vous cassez la base d'un bâtiment, il y a tout qui casse. Et tout le loot tombe comme ça au sol. Donc là, vous aurez plus de facilité à trouver une bombe Boogie Woogie. Donc quand vous avez une bombe Boogie Woogie, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement faire danser un personnage. Alors ici, regardez, il y a un personnage. Je ne sais pas si ça peut valider le défi parce que c'est pas entre... À proprement parler, ce n'est pas un vrai personnage, c'est juste un bot sur la map. Donc je pense qu'il va falloir faire danser un personnage, un réel personnage, donc qui font partie de votre collection des personnages. Donc les personnages qui sont dans toute la map. Pour vous aider à trouver un personnage, je vous ai affiché une map avec tous les emplacements des personnages de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc là, regardez, juste ici, normalement, il y a un personnage qui se trouve près des pyramides. Donc voilà, juste ici au temple. Et ce que vous allez faire en fait, c'est tout simplement prendre votre Boogie Woogie et faire danser le personnage là en question. Si ça ne fonctionne pas contre les bots, vous allez prendre un personnage où il y a une petite bulle de conversation au-dessus d'eux. Et vous faites danser le personnage comme je vais le faire. Donc hop, vous lancez la Boogie Woogie juste à côté de lui pour le faire danser. Dès qu'il commence à danser, ben là normalement, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.